Allez, bonjour à tous. Et Bonjour. bonjour. Bonjour Pascal et bonjour Claudine. Est-ce que ça Bien va? dormi. Bien dormi? Ouais, toi? Voilà, nous avons dormi chez l'habitante, c'était très calme. Oui. Hier au soir, on a pensé qu'il allait pleuvoir. Parce qu'il y a plu un peu, hein, dans la journée hier. Oui. Ouais. Et J'étais donc, tout noir. Hein. on a pris la sage précaution de trouver un petit logement. Sera plus sûr pour nous. Voilà, aujourd'hui direction Girona. La grande On direction. n'atteint pas encore Girona aujourd'hui, on aurait bien aimé parce que c'est là où nous avons bouclé, nous allons boucler notre tour d'Espagne, Le Portugal. le Portugal. Et ce sera un très grand moment pour nous. Donc voilà, on arrête. Voilà. On n'a pas invité la pluie. Mais... Non. Bon, allez, une très belle journée à vous, Bonne puis à journée. tout à l'heure. Un dernier lever de soleil, les amis, rien que pour vous. Et nous avons fait un tout petit détour pour regarder la mer une dernière fois. Enfin, une dernière fois. Ici, hein, en Espagne. Joli, hein. Bon, on va s'engager dans le marché. Il y a beaucoup de monde, ça va être un peu galère. Sinon, il fait super beau et c'est super bien. C'est une très belle journée aujourd'hui. Ça n'aura plus rien à voir avec le bord de la mer. Sí.
quand deux Pascal se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font signe. Alors nous avons retrouvé notre petit chemin de campagne dans les forêts et ça fait du bien. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu des beaux chemins comme ça. Une étape magnifique. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vois. En fait, c'était le but, hein. C'est juste vous montrer tout au long de notre parcours. Alors voilà. C'est joli, hein. C'est un sol sablonneux, très doux à marcher. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvons admirer pendant tout le long de notre parcours. Alors nous pouvons apercevoir au loin Girona, qui se trouve au pied de la montagne. À ce moment-là, nous avons pris la direction de Santiago, là, sur la gauche, avec Pascalou. Et nous sommes arrêtés à Gex. Vic. Vic, à Vic. Je confonds toujours Gex et Vic. Et c'est là où on pouvait voir les fameuses vidéos avec le sanglier.
Donc voilà, donc demain nous serons environ. Oui, on va passer à Girona, donc on va boucler. On voit, on peut admirer d'ici la fin de notre tour d'Espagne, en fait, hein, Pascalou. Au Portugal. Et Portugal. Voilà, Pascal est avec moi et on regarde avec attention au loin cette fameuse étape que l'on va faire demain. Et sans la pluie. Mais sans la pluie, je pense. Donc voilà. Can you please be the one? Oh, let this night just go on. With you I'm feeling so young. My life has just begun. You hold tight to my hand. Let this dream never end. You are more than a friend. This one... Alors. Alors, nous avons terminé notre étape. Là, nous cherchons un endroit pour nous dormir ce soir. Mais quand on voit le ruisseau, là, on se dit, et puis tous les roseaux, là, on se dit non, il va y avoir trop de moustiques. Donc ça, c'est un critère à tenir en compte. Hein. À mon avis, ça ne va pas être facile. Alors nous cherchons des boucles d'arbres très loin des ruisseaux parce que il y a trop de moustiques. Donc là-bas on en aperçoit un. Voilà. Et nous allons donc aller voir si c'est possible de dormir, d'installer notre bivouac. L'idéal, c'est... Alors, quand on cherche un bivouac comme ça, ouais. L'idéal, c'est ça. C'est quoi ? Voilà. Voilà, Pascalou a trouvé l'endroit. L'endroit idéal pour faire... Et Claudine aussi, hein, on va être bien là. Ouais, en fait. Voilà, on a trouvé l'endroit idéal pour faire notre bivouac, parce que... On est en bordure de forêt. Il y a un tronc pour s'asseoir, pour manger. Et ensuite, pour la nuit, on va pouvoir sortir du bois pour aller regarder le ciel des étoiles. Et c'est un peu à l'écart de la route. Ah mais là, ma foi, on va être bien là. Comme vous pouvez voir, c'est au milieu de nulle part. Hein. Bon, dans une demi-heure, il fera noir, donc on ne verra pas. Donc voilà, on s'installe ici. Voici notre endroit de bivouac et je vais aller voir mes compagnons de route. Alors Pascal, c'est bien installé dans bien installé dans le bois et on va être bien là. La météo est bonne. Voilà, ce soir on devrait avoir un joli ciel étoilé. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à manger. Je vais aller voir Claudine maintenant pour lui demander si tout s'est bien passé. Alors Claudine, est-ce que tout s'est bien passé? Ouais, je suis en train de m'installer. Faut c'est mon premier bivouac voilà. Sauvage, hein. Enfin dans la nature.
C'est le premier site dont j'ai pas mal campé, mais en plus c'est un endroit très très joli. Hein. Oui. Donc l'expérience va être bonne, je pense. Hein. Voilà, on verra. Hein. Ah, ben oui. Et donc, on va vous souhaiter une belle soirée. Oui. On va aller chercher Pascalou. Voilà. Alors, ici, les amis du chemin. À vous. Les studios. Bonne nuit. Alors, oui, une petite information, oui. Un petit flash de dernière minute. Nous allons avoir un nouveau compagnon qui va venir marcher avec nous d'ici peut-être deux, trois jours. Alors, un compagnon ou une compagnonne, on ne sait pas, on verra. C'est la surprise. Alors, bonne nuit à tout le monde. Au revoir. I really want to know.